Alors j'ai essayé de faire une vidéo à la bécasse. Mais... C'est qu'à la chienne repartait là-bas, je dis regarde-le quand il galope. Ah, là. Ah mais c'est sûr il court. Hein. Là, là. Là, lui est tout petit quand même. Ouais, c'est pas le même. Hein. Regarde-le là-bas, là, là, là. Ah oui, ah là il court. Il galope ce con. Ah oui, oui, il est... Oh putain. Là. Bah, c'est un bon truc aussi. Là, là, là. Ouais. Ah ouais, ouais, là, il court et puis après là, il galope. Il va vers là-bas puis il rentre les pierres là-bas. Mais ça c'est un truc sûr. Hein. Ouais, c'est... un plan de chasse de 35 chevaux et cette année 4 grands cervidés disons. Voilà, donc une biche, un petit, un cerf mâle et une autre biche aussi. Donc, voilà. Donc de plus en plus le cerf gagne sur notre commune, donc ce qui donne un peu plus de piment par rapport à la chasse et notamment à la créance des chiennes. Donc de ce côté, ils y viennent mais c'est pas les coins les plus peuplés encore. Voilà. Donc on a la particularité d'avoir la rivière du Célé qui coupe la commune en deux. Qui fait qu'en fait la rivière fait qu'on maintient un peu des populations de sangliers grâce à l'eau l'été notamment et on peut chasser autant de l'autre côté les panchants qu'on voit là-bas qu'ici de ce côté. Donc là on est vraiment à la limite, la rivière est par là-bas. On profite pour présenter notre musée de Suzal ici, si vous n'êtes jamais venu voir. Levé là. Levé. Ils y sont tous. Hein. Eh oui. Allez. Décadé. Là, il est. Il y a de sacrés chiens quand même. Ouais, ouais, joli. Ils y sont tous les 12 là. Je le crois, oui. Ils vont laisser leur bourre. Hop, hop, hop. Hop, il nous coule pas. Ah, ah, ah. Ah, merde. Il est là passé, moi. Ouais. Sans accessoires, 300 plus même, 350. C'est moins cher que la GoPro. Là, il nous a vu, il a refait ses quêtes de mètres. Mais le temps, combien de fois dans la saison tu l'as vu?